Je t'emmène avec moi t'entraîner à 7h du matin dans ma salle de sport. Après un programme de 15 minutes sur les escaliers, je fais mon renforcement musculaire. Pourquoi les escaliers? Eh bien, parce que les impacts, vu que j'ai déjà mal à mon genou gauche, et oui, il n'est pas dans l'axe et tout, je sais pas trop. Du coup, moi, c'est ce que je fais là. Et honnêtement, ça sollicite beaucoup, beaucoup moins mon genou. Et du coup, j'ai pas mal après ma séance. Donc, j'ai bien mis cette petite chose que vous voyez sur mon genou. Donc, ma chaussette à enfiler, voilà, pour que mon genou reste bien dans l'axe. Et voici que je fais 40 répétitions. J'ai commencé à 20 et ensuite je monte à 10 kilos à chaque fois après chaque série. Donc voilà. N'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Et on est ensemble. On est clairement ensemble dans cette épreuve. Bon, je vais faire des jumping jacks, je vais essayer. Fin de séance. Allez, 1, 2, 3. Tu dois comprendre que être seul, c'est être face à ton destin et être capable de déplacer des montagnes. Oui, le sport, c'est le mindset, je ne cesserai de le répéter. Accrochez-vous, faites de votre mieux et n'hésitez surtout pas.
Ah, c'est dur. Oh putain. Le cardio là. 30 secondes. Je vais faire 40 jumping jack. Je vais faire 3 fois ce circuit. Donc là, ça fait une répétition déjà. Allez. C'est vraiment dur toute seule. C'est vraiment dur. Mais ça fait des années que je m'entraîne toute seule. Quand on n'a pas l'argent pour payer un coach, ou quand on ne veut pas payer un coach, la volonté. Allez. C'est dur. C'est vraiment, vraiment dur. Allez. Je crois que ça fait 30 secondes. Je vais refaire les cordes lestées. Pas le sport, ça me fait trop du bien, ça me fait du bien, ça fait souffrir et tout, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Oh, punaise. Dites-vous que là, je suis réveillé depuis 6 heures, là je suis à jeun. J'ai juste pris mes vitamines, mon eau et mon citron, c'est tout. J'aime bien faire du sport à jeun, surtout quand je décide d'y aller tôt le matin. Allez, dernière fois que je m'en vais.
Fin de séance. Fin de séance. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker. Merci si t'as plu. Allez. Taking off the shoes. To going out. J'ai fini, je change juste mes chaussures. Est-ce qu'il faut des chaussures propres pour la salle? Coucou tout le monde. Coucou, salut. Je voulais juste revenir sur quelque chose là. Là, je vais rentrer. Il est 8h11 et je voulais juste vous dire à vous, les filles, surtout les filles, les femmes, les mamans, franchement, c'est dur. Je vais pas vous cacher, ça fait des années que moi, je fais du sport. J'ai l'impression que j'arrive pas à passer à un autre palier, genre j'aimerais faire, si j'avais un coach ou quelqu'un qui avec qui je faisais du sport, qui me poussait au-delà de ce que moi je pense pouvoir faire, ça allait vraiment m'aider en fait. Mais il faut se dire un truc, c'est que dans la vie on n'a pas si vous pensez toute seule, si vous pensez que faites-le en fait. C'est mieux de faire quelque chose que de ne rien faire. Moi, je fais du sport, on va dire, toute l'année, mais pas tout le temps à la même fréquence. Il y a des moments, je ne vais pas vous cacher, j'y vais pas pendant un mois. Mais je fais de la marche. Je me force à sortir avec les enfants. Voilà, j'utilise pas la voiture, je marche, je fais des choses. Et ça permet en fait de faire de l'exercice. C'est pas obligé de faire à haut niveau. Surtout qu'on peut s'abîmer les hanches, les genoux. Je suis bien placée pour le savoir, mais dans tous les cas, il faut te dire que si tu veux faire quelque chose, vaut mieux le faire. Même si c'est pas parfait, fais-le. Et la perfection, ça viendra avec ton propre référent quand ça viendra en fait. Donc du coup, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et c'est vraiment dur. Moi, j'ai l'impression que avant, ou en tout cas quand on est plus jeune, c'est facile de trouver quelqu'un pour t'accompagner, genre une copine, un ami, ton mari. Mais avec la vie qu'on mène, soit il faut que l'un reste pour garder les enfants, l'autre sort, voilà. Et moi, sachant que de toute façon, monsieur, il est pas, il, entre guillemets, il a pas besoin vraiment de faire du sport. Parce que la génétique, mais c'est toujours bien en fait, c'est toujours bien de pouvoir en faire et voilà, et c'est vraiment dur, mais entre les gaz, tu vas aux toilettes, tu bois de l'eau, toujours aller au petit coin, là tu sais que tu perds, tu sais que tu élimines et faut faire attention à son alimentation. Mais on n'a rien sans rien dans la vie. Et ne vous prenez pas la tête. Oui, mais j'ai pas les chaussures qu'il faut. Des chaussures à 100 et quelques euros. Moi, j'ai une paire d'Adidas, une paire de Nike et une paire de chaussures que j'ai achetées chez Decathlon. Alors, ok, c'est pas les bonnes, c'est pas les meilleures parce que soi-disant, les impacts et tout, c'est vrai. Mais faites avec ce que vous avez en attendant d'avoir ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. Il faut pas oublier de pas négliger ce que vous avez en fait. C'est très important en fait de se contenter de ce qu'on a et de faire avec ce qu'on a, parce que du coup ça te permettra de, quand tu passeras à une étape supérieure, tu sais que tu profiteras bien de ce que tu viens d'obtenir par les efforts en fait. C'est très important. On estime tout le temps que oui, il faut dépenser, il faut faire ci, il faut faire ça pour avoir. Non. Moi, pendant des années, j'ai fait du sport toute seule. J'ai fait du sport, au parc, à l'extérieur, avec des enfants, à la maison, avec les enfants. Et ça me coûtait rien. Là, je suis à la salle de sport. Qui sait, peut-être que je vais trouver quelqu'un dans pas longtemps pour faire du sport qui va pouvoir me pousser. C'était pas mon petit frère qui habite pas à côté. Mais voilà, rien n'est impossible. Donc, surpassez-vous et dépassez vos limites, parce que franchement le mental, le mindset c'est important. Donc voilà, tout ce qui est état de santé et tout, ça peut que vous faire du bien en fait, l'exercice physique. Et je vous le souhaite vraiment d'être en complémentarité, que ce soit votre corps, votre esprit, votre mental,
votre endurance, tout va avec tout. Donc voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et c'était tout pour la vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Tu peux liker si tu veux. Laisse un petit commentaire. Encourage-moi, ça me ferait plaisir. Et je te fais des gros bisous. Ciao! Quelques citations. Ta direction est plus importante que ta vitesse. Reste heureuse et concentrée sur tes objectifs et sur toi-même. Une femme forte n'abandonne jamais. Elle revient encore plus forte de ses épreuves. Tu dois être l'actrice de ta vie. Moi, j'ai décidé de prendre des photos, des vidéos, de documenter ma vie comme si c'était un film. D'ailleurs, je le partage sur YouTube. Voilà de quoi parle ce post.